la vie de Christ dans un homme. Produira les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produira un chrétien, jamais pas. Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. C'était un saint homme tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'ombre à la paix, à la femme, plein d'humeur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon ami Bariki. Je crois que, comme le pasteur m'a signalé, que les jours de la semaine, comme chez nous, nous n'avons qu'une heure. Alors, j'aimerais déjà passer directement à mon sujet. Comme c'est le jour de la semaine, c'est une toute petite exhortation que je voudrais partager avec vous. Mais vous remarquerez que j'ai pris le sujet exactement comme le prophète l'avait donné. S'il est arrivé au prophète de traiter un sujet comme ça, et que cela a été emmagasiné, c'est que c'est très important pour notre édification. Alors, nous allons nous lever. Nous lirons seulement Jacques, chapitre 4. Si vous serez attentifs, vous pourrez recevoir quelque chose. Jacques, chapitre 4, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur Jésus, nous voulons exhorter ton peuple ce soir. C'est notre dernier jour aussi dans cette ville, et principalement comme nous voulons parler avec ton peuple au sein de cette église. Seigneur, comme tu as bien voulu placer ceci dans mon cœur, je crois qu'il y a toujours une raison pour ça. Assiste-nous maintenant, assiste aussi mon interprète, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu calmes. Cette toute petite exhortation, Adjilindogo, je crois qu'elle pourrait aussi être une petite réponse à une personne dans sa préoccupation. J'ai pris exactement le titre que le prophète avait donné. Le Dieu immuable agissant d'une manière inattendue. J'ai l'impression que j'avais déjà une fois parlé de cela quand
On était sur Kasavubu là-bas. Mais la parole de Dieu est toujours actuelle. Soyez un peu attentifs. Peut-être cela peut vous fixer ou peut vous éclairer ou peut vous positionner dans votre position de vis-à-vis des chrétiens. Dans l'ensemble du message qui fut emmagasiné, comme je le disais hier dans l'église du pasteur Élisée, il y a deux grands groupes dans ce message ici. Parmi les prédications que Frère Bamba avait faites, il y a le premier groupe de prédications qui partent de 1947 jusqu'en 62. Et des messages qui sont compilés dans cette série-là, comme je viens de citer, il y a beaucoup de points qui sont en rapport avec le rétablissement de l'Église. Et pour nous fixer dans notre position chrétienne. Puis à partir de 63 jusqu'à 65, et ces prédications sont des, il y a des profondeurs de, dans les mystères de Dieu. Mais ce sujet ici se retrouve dans les groupes de prédications de 47 à 62. Et c'est pour l'édification. Dans les messages que Frère Branham nous a apportés, il y a des points qui sont en rapport avec une acquisition de connaissances. Et il y a certains points qui sont pour notre édification, nous positionner dans notre vie chrétienne. Alors, on se suivra très bien. Je reprends le verset 4, le chapitre 4. C'est ici que je tire le texte sur lequel je vais parler. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voyez, Jacques est en train de nous rappeler quelquefois des querelles. Les jalousies. C'est parce que voyez, je vois une personne, celle-là ou celle-ci a progressé et moi je n'ai pas progressé. Quelquefois ça dégénère, ça mène la personne à avoir une hostilité envers l'autre personne. Et on ne comprend pas. Mais c'est tout simplement la jalousie peut-être. Parce que lui aussi veut arriver à cet état. Surtout ceux qui font des affaires. Voyez, on convoite mais on ne possède pas. Et on devient nerveux si on essaye ceci, ça échoue. On essaye là, ça échoue. Et Pierre, Paul et Jacques disent, voyez, parce que vous ne demandez pas. Il dit, vous demandez. Et vous ne recevez pas. Il dit parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Maintenant, dans ce message que j'ai voulu partager avec vous, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets qu'on a prêché pendant plusieurs années, mais on se représente, on se retrouve devant peut-être des différents sujets qu'on a et l'on prie. On sent que l'esprit vous fixe pour traiter tel sujet. Alors, cet avant-midi, quand j'ai senti à moi de partager ce sujet avec vous, j'ai pensé que ce sera utile pour quelqu'un. C'est une petite exhortation. Comme nous n'avons pas assez de temps. Avant que j'entre dans les détails, vous savez, pour avoir confiance, considérez la parole que quelqu'un prononce. Il faut que vous connaissiez qui est cette personne. Si quelqu'un a toujours été un menteur et qu'il promet quelque chose, vous prendez cela à la légère. Parce qu'il ment toujours. Il ne dit pas la vérité. C'est que pour considérer la parole de quelqu'un, vous devez d'abord avoir confiance en la personne. Qui est cette personne qui parle?
est-elle une personne sérieuse? C'est pourquoi, comme je ferai ressortir les déclarations des frères Branham comme une petite exhortation, je voudrais d'abord, pour que nous ayons confiance aux paroles qu'il va faire sortir dans ce sujet qu'il a développé, les dieux immuables agissant d'une manière inattendue. Il avait trouvé bon de nous fixer la manière que nous devons nous approcher de Dieu. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Quelquefois nous ne recevons pas et Dieu reste seulement historique, mais il avait trouvé bon de nous parler, que nous connaissions Dieu, parce que lui-même menait une vie de complicité avec Dieu. Écoutez son témoignage. Je prends d'abord dans le message, Dieu rend témoignage à ses dons. Il avait prêché le 13 juillet 1952. Il avait prêché le 13 juillet 1952. Ça c'est deux jours après ma naissance. J'étais encore un bébé de deux jours. 13 juillet 52, paragraphe 30, écoutez pourquoi j'ai lu ça. C'est pour que nous connaissions frère Branham était dans quelle dimension, pour que nous ayons confiance en ses paroles que je ferai ressortir ici. C'est comme si c'est lui qui nous parle. Je ferai de façon que lui puisse parler, que nous comprenions. Ça pourra nous aider et la manière que vous nous approchez de Dieu. Voyez Jacques a dit ici, d'où viennent les luttes, d'où viennent les jalousies, vient des envies. C'est à partir des choses que nous convoitons, des choses que nous désirons. Mais quand nous ne recevons pas ça, nous devenons nerveux. Nous commençons à vouloir aux autres qui ont prospéré. Et nous demandons à Dieu, enfin nous ne recevons pas, chaque parce que nous demandons mal. Or, c'est ce que je veux traiter avec vous ce soir. Cette petite exhortation, je l'appelle ça petite mais très importante. Maintenant, ayons d'abord confiance en frère Branham. Des déclarations que je ferai sortir, est-ce qu'il parlait au hasard comme ça? Connaissons ce qu'il était. Dans ce message, il dit ceci. Au paragraphe 30. De Dieu rend témoignage à ses dons. Il dit maintenant, votre médecin peut vous parler de votre corps, de votre anatomie. Quand nous partons à l'hôpital, le médecin a étudié notre corps. Quand je dis que je souffre de telles choses, il a étudié notre, il peut nous donner les, il peut diagnostiquer et nous donner les produits pour notre. Il dit, mais mon travail se fait dans le domaine des esprits. Il dit, c'est là que je passe la plus grande partie de ma vie. C'est dans une autre dimension dont le monde ne sait rien. Donc frère Branham, un homme comme nous, mais il dit que les médecins Bangang nous parlent de l'anatomie de notre vie. De notre corps. Il dit, mais lui, il dit son travail était dans le domaine des esprits, pas dans le domaine des corps, comme les médecins nous aident. Et lui, ça l'a dit dans le domaine des esprits. Il dit, c'est là que je passe la plus grande partie de ma vie. C'est dans une autre dimension. Donc, tout le temps,
Il est dans des visions. Il se retrouve quelque part. Peu de temps où il est comme nous les autres humains. Mais souvent il est dans une autre dimension. Vision sur vision. Vision sur vision. Il dit, c'est là que je passe la plus grande partie de ma vie. Dans une autre dimension. Dont le monde ne sait rien. Il dit, et je parle au nom du Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Point n'est besoin d'essayer d'expliquer cela. C'est impossible de l'expliquer. C'est que c'est une personne à faire confiance. C'est une personne à faire confiance. Qui la grande partie de sa vie passe dans une autre dimension. Domaine des esprits. Maintenant dans la démonologie qu'il a prêché le 20 novembre 1953, c'est différent de la démonologie qu'il a prêché après. Au paragraphe 3 il disait ceci: je crois que quand on vous projette ces citations, vous pouvez trouver la formulation des phrases différentes de ce que vous voyez. Parce que moi, chaque citation que je prends pour venir prêcher sur cela, je les compare attentivement avec le texte anglais. Les gens traduisent bien. Mais quelquefois on peut être fatigué. Et quelquefois on nomme notre mot ou bien on le traduit d'une autre manière. C'est pourquoi j'adapte vraiment de la manière que la fidélité que je vois. Maintenant écoutez. Maintenant cela étant, j'ai fait cette grande confession. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Que jamais de ma vie, je n'avais dit en public. C'est que c'est intéressant pour toi, intéressant pour moi. Il dit, je vais vous dire quelque chose que jamais de ma vie je n'avais dit en public devant une assistance, donc dans l'auditoire, à ce que je sache, à moins que cela ait été sous l'esprit. Il dit, à moins que cela se lâche, peut-être quand j'étais sous l'onction en parlant. Mais à sa connaissance, ce qu'il veut nous dire ici, il n'avait jamais dit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Écoutez, il dit, maintenant, plusieurs et plusieurs fois à l'estrade, donc à la chair, je vois l'esprit qui quitte quelqu'un. Mina onaka ro inatoka mumutu. Voyez comme c'est lui, il lui dit que la grande partie de sa vie, il a passé dans les domaines des esprits. Savela nasema mkipande kubwa kama maisha yake anapitia makao ya kiro. Parce qu'il peut être en train de conduire. Savela anaweza kuwa anaenda na anatembea na gari, anaramu anaingia muone. Il est chez lui. Eko kwake. Des visions éclatent. Ono inamfuata. Peu de temps qu'il est ordinaire comme nous ici. Souvent, il était toujours dans d'autres dimensions. Donc, c'est qu'une personne comme ça, quand elle nous parle, nous devons être attentifs. Parce qu'il connaît, nous, le médecin nous parle de l'anatomie. Nos maladies ici. Mais lui, de la manière que Dieu, il traite avec Dieu, il voyait d'où venait notre maladie. C'est pourquoi c'est une personne à faire confiance. Maintenant, ici, il dit, tout ça, j'ai dit pour préparer votre esprit. Pour que vous connaissiez à qui nous avons confiance. Qui nous parle? Qui était frère Branham? C'était un homme aussi un peu paradoxal. C'est pourquoi, écoutez, il dit ça, il n'a jamais dit ça en public. Quoi? Écoutez. Mais plusieurs et plusieurs fois à l'estrade, à la chair, je vois l'esprit qui quitte quelqu'un. Voyez-nous, nous imposons les mains. Où nous prions ici, nous ne voyons rien.
Mais lui, il voyait quand il priait, la personne possédait, comment l'esprit sortait de la personne. Il voyait cet esprit comment il partait. C'est pourquoi à certains moments, quand nous lisons son message, il disait, inclinez vos têtes. Ne relevez pas votre tête. Quand je chasse les démons ici, ce sont des esprits qui sortent. Il y avait une fois dans une réunion, il avait demandé aux gens d'incliner leur tête parce qu'ils priaient pour les malades. Alors il avait chassé l'esprit d'épilepsie. Une fois il avait prié sur la personne, il a prié et après il a remarqué que l'esprit résiste. Il a prié encore. Il dit, je sens que tu sens que l'esprit résiste. La personne dit oui. Il évoque la commission. Parce que c'est là qu'il disait que je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas quelque chose d'historique. Il dit, j'adore Jésus-Christ maintenant même. Sa parole manifestée dans cet âge. Donc il n'avait pas à se référer seulement des promesses de l'histoire, mais des choses que Dieu lui parlait, des choses dont Jésus qu'il voyait agir. Alors voyez, il est pris pour la personne, ça résiste. Maintenant il vient, il rappelle, selon la commission de l'ange qu'il m'a donné et qu'il m'a dit, rien ne résistera à ma prière. Satan, sort de la personne. Et lui-même il dit, il est sorti. Il le voyait. Vous voyez? C'est pourquoi il dit ici, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit sur l'estrade. Mais à quoi il est tenté de parler? Mais plusieurs et plusieurs fois à l'estrade, je vois l'esprit qui quitte quelqu'un. Ils sont dans toutes sortes de formes des esprits qui sortent. Il dit, j'apprête un livre sur la démonologie. Sur ce que j'en sais moi-même. Sur les démons donc. De la manière que je traite personnellement avec des démons. Il dit, ce sont des êtres. Ce sont des êtres. Ils ne sont pas absolument juste une pensée comme la science chrétienne le dit. Ils ne sont pas des pensées. Parce que lui voit. Il dit, c'est en fait un être. Vous le voyez quand il quitte quelqu'un sous la forme d'une ombre noire. J'introduis comme ça pour que vous compreniez à qui nous avions affaire dans cet âge. Pourquoi faire confiance en ces paroles? Il ressemble, certains d'entre eux ressemblent aux chauves-souris. D'à peu près de cette longueur. Ils ont des longs cheveux qui pendent. J'en ai vu comme cela. J'en ai vu qui ressemblent aux tortues. D'autres comme des grosses araignées. Ils pèsent 22,6 kg. Ou quelque chose comme cela. Une très grosse ombre. On dirait, et cela quitte les gens. Généralement, c'est l'épilepsie. Voyez l'esprit d'épilepsie quand ça sort. Lui voit comment ça part. C'est pourquoi c'est un jour.
Il a dit aux gens, inclinez vos têtes. Soyez dans la révérence. Ne relevez pas votre tête. Parce qu'il y a des esprits qui sortent. Il priait pour les gens. Mais un homme a voulu regarder. Et quand l'esprit d'épilepsie est sorti de la personne, il a vu comment cet esprit allait entrer dans cette personne. Et cet homme a attrapé l'épilepsie. Il m'a dit que je ne peux plus vous aider. Parce que je vous avais dit d'obéir. Vous avez voulu relever votre tête. C'est pourquoi quand il disait, soyez dans la révérence, inclinez vos têtes, c'est parce qu'il connaissait, il voyait comment les choses se passaient. Voyez la façon qu'il nous a décrit ça. Il dit, or vous et moi, est-ce que j'ai fini? Non. Parce que je suis... Ah oui, voilà. Et cela se passe directement par cela passe directement au-dessus de l'auditoire. Quand ces esprits ressortent, ça passe l'auditoire. Donc il chasse quelqu'un ici. Il chasse l'esprit ici. Il voit comment ce démon est sorti. Il dit à l'autre, on dit que ça sort en faisant des cris. Waouh, waouh, j'entends ça, je vois comment ça part et puis ça sort. Et cela passe directement par-dessus l'auditoire. Et le Dieu Tout-Puissant, au sujet de qui nous prêchons, est assurément, dans la profondeur de la sincérité, j'ai vu ces choses passer par-dessus l'auditoire. J'en ai vu parfois quand l'assemblée était bien d'un commun accord. Et les croyants voyaient eux-mêmes cette chose-là. Souvent. Des centaines de gens ont pu voir cela se déplacer. Et par conséquent, cela exige la plus profonde sincérité. Ce n'est pas un bluff, ça dit que des tromperies. Vous ne pouvez pas du tout bluffer avec le diable. Il ne bluffera pas. Mais chaque fois que vous arrivez à présenter réellement le sang de Jésus-Christ, Satan ne peut pas résister devant cela. Maintenant, c'est tout aussi vrai. Je voulais vous présenter ces deux citations d'abord pour que nous ayons confiance en Frère Branham sur des paroles qu'il va commencer à nous présenter ici. Pourquoi quelquefois nous prions à notre manière. Mais maintenant, la personne ici qui traitait souvent avec Dieu veut nous parler de Dieu. Comment nous approcher de Dieu? Comment demander à Dieu? C'est une petite exhortation simple, mais si vous êtes attentif, ça pourra vous aider. Je suis sur ce passage de Jacques. Nous demandons, nous ne recevons pas. Nous nous attendons à notre manière. Quand nous ne recevons pas, nous sommes nerveux. Nous envions et nous en voulons aux gens. Maintenant, dans ce message, le Dieu immuable, j'insiste que j'ai voulu lire d'abord ces deux citations ici pour que nous comprenions Frère Branham. Excusez-moi, il n'était pas un homme ordinaire. Il était un paradoxe. Il y a même Billy Paul qui disait, quelquefois nous demandons, est-ce que notre papa, c'est vraiment notre papa ou bien c'est une autre personne? Parce qu'il parle avec toi. Donc les visions venaient pamba. Voyez par exemple, une fois il avait dit, Billy Paul a dit, il y avait deux couples séparément. Le premier couple est entré, il montra à Frère Branham qu'il voulait limiter la naissance. Billy Paul était là. Et ils ont présenté leurs problèmes. Ça m'a dit que pour ça, en tout cas, c'est bon, vous devez arrêter. Ce couple est sorti. L'autre couple est entré. Billy Paul a dit avec la même. Donc, ça nous a présenté les mêmes raisons. Frère Branham dit, vous ne faites pas ça.
Le couple est sorti triste. Ile wili bakaenda me kusikitika. Il dit ne faites pas ça. Continuez. Mushiache kuzala muendelee na uzalo. Bilipo la poser la question son. Bilipo la kauliza sasa baba yake. Mais comment? La même, donc c'est la même, le premier couple a mené la même, a présenté les mêmes raisons. Wili ya kwanza ilileta hii sababu moja moja. Ce couple aussi il dit. Hii wili nayo nakuya. Je ne leur ai pas répondu selon ce qu'ils ont dit, mais j'ai répondu sur la vérité qui se trouve dans leur pensée. Mie chibajibia kubile boba alisema mimi na bajibia kuile wake yuko ndani ya mioyo yao. Je connaissais vraiment leurs raisons. Mimi naliwa kabisa hitaji yao. Dieu m'a montré leurs raisons. Mungu alinionyesha sababu kwa nini. Ils ont présenté une fausse raison. Boba alionyesha sababu ya bongo. C'est pourquoi je leur ai répondu selon cette vraie raison. Ndio kwa maana mimi naibajibia kulingana ile sababu ya kweli. Voyez, c'est une bien dit que j'ai passé toute ma vie dans une autre dimension. Ndio kwa maana sababu mimi naipitia maisha yangu yote mu kiwango kingine. C'est pour que nous ayons confiance en une personne. Dieu sait pas tout baigner mutu wa ina mundu. Maintenant, c'est lui qui commence à nous parler. Maintenant, suivons-le. Il nous aide. Parce que lui était souvent en contact avec Dieu. L'ange du Seigneur venait le visiter. C'est qu'il savait comment traiter avec Dieu. C'est pourquoi il a prêché ses sermons. Le Dieu immuable. Agissant d'une manière inattendue. Il a prêché ça à deux fois. À un endroit, c'était le Dieu immuable. À l'autre endroit, le Dieu immuable agissait d'une manière inattendue. Je lirai plus. Je vais lire plus pour que vous l'écoutiez. Dans le Dieu immuable, il a prêché le 26 mars 1960. Paragraphe 5, voici comment il disait. Il y a beaucoup de choses. Et tout pratiquement change. Tout change. Il dit le temps change. Vous voyez, le matin, on peut se lever. Il y a le soleil. Brusquement, à 9h, il commence à pleuvoir. Tout change. Même nous. Attachi. Moi j'étais jeune. Mais aujourd'hui, Léo. Je crois qu'on était, je ne sais pas où, j'ai pas à Funguru, mais on voyait les jeunes grâce chanter. Son visage était lisse comme la coquille de l'œuf. On a sema usoyake ilikuwa mwepesi kuna sa Uganda ni yai. Kiana kabisa iko kabisa mujana wake. Regardez la beauté de ce jeune homme. Unaona alikuwa anaangalia urembo wa ule kiana. Mais nous ici, lakini avec l'âge, avec des rides. Na miaka na hivi kunya changer yote binabadilika. Je vous regarde, c'est comme si je pleure. Niko na miangalia iko tu sami niko nalia. On rit mais vous trouvez comme il est tenté de pleurer. Una cheka unaona sasa mtu analia kumbe bikunyaji bio bisha kuyana kumacho yote bisho badilika. Hatuna tena kisi tulikuwa. Un frère m'a envoyé des photos de depuis longtemps, j'ai dit ah ça c'est moi. Nduku mari tubiaka mapicha moya ya zamani nikaangalia basi jo mi huyu. Il y a beaucoup de choses. Huko bitu bya mingi. Tout pratiquement change, c'est le pas. Yote kabisa biko na badilika. Le temps change. Ma wakati iko na badilika. Les gens changent. Watu wao na badilika. Le climat change. Ma majira iko na badilika. Les nations changent. Ma taifa iko na badilika. Mais Dieu est immuable. Lakini Mungu ashibadilikake. Ça c'est la première chose qui doit entrer dans ma pensée et dans votre pensée. C'est les connaisseurs, la personne expérimentée qui nous parle. J'insiste là-dessus. Il ne change pas. Il est toujours le même. Dieu est infini. Je ne crois pas qu'il y ait un terme qui puisse expliquer un ou moyen d'expliquer les mots infinis. Car c'est l'infini. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'aura jamais de fin. C'est pourquoi Dieu ne commet pas des erreurs. Parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Il sait que tu, après ceci, tu deviendras ceci. Tu deviendras ceci. Mais malgré ça, à ta ville, connaissant que vous arriverez à ça, mais quand il vous a choisi avant la fondation du monde, peu importe ce qui va vous arriver, il savait ça. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour toi. Il t'a aimé. Écoutez Paul comment il parlait à Timothée. J'aime beaucoup ce passage. Écoutez comment Paul parlait à Timothée. 1 Timothée
Est-ce que c'est ça? Non, 2e Timothée. Baro apili à Timothée. Écoutez. Excusez-moi. Il disait à Timothée, chapitre 1er, depuis le verset 8. N'aie donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Écoutez verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Pas nos œuvres. Le sang de Jésus a déjà fait la chose. Dieu, quand il t'a sauvé, il n'a pas pris que ah, je me suis trompé. C'est pourquoi quand je sens en moi que je suis sauvé, comptez sur sa grâce. Et soyez toujours positif. Quand un manquement arrive, confessez ça sincèrement. Et ça passe. Un petit enfant, quand il marche, il essaie de marcher, qu'il tombe. La maman qui a engendré cet enfant ne va pas taper cet enfant parce qu'il est tombé. Il va dire, Jonas, lève-toi. C'est comme ça que Dieu traite avec nous. Voyez, Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut marcher avec assurance. Et j'ai un père là-bas qui me connaît. Alléluia. Je risque de ne pas terminer. J'appelle souvent frère Branham les connaisseurs de Dieu. Dieu est infini. Je ne crois pas qu'il y ait un terme qui puisse expliquer, un moyen d'expliquer le mot infini. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'aura jamais de fin. Ainsi, Yves, lorsque Dieu est appelé en scène pour agir, wakati Mungu anaitwa kiwanjani juu ya kutenda, ça il m'enseigne ça. Ini, il t'enseigne ça. Ego na kufundisha. Tu dois retenir ça. Unapasha kushika hii. Notez ça. Andika hayo. Celui qui, la personne qui passait sa vie dans une autre dimension, connaissant Dieu, c'est lui qui nous enseigne Dieu. Huyu ni mtu alipitisha wakati yake ya mingi mkiwango kingine anayoa Mungu na eko natufundisha Mungu. Il nous donne le cours de Dieu. Eko natufundisha na tufundisha Mungu. Il nous enseigne Dieu. Eko tupatia mafundisho ya Mungu. Ainsi, lorsque Dieu est appelé en scène pour agir, wakati Mungu anaitwa kiwanjani juu ya kutenda, ou pour prendre une décision, wana juu ya kubeba mpango fulani, sa façon d'agir, namuna yake ya kutenda, ou la décision qu'il prend, wala mpango ile atabeba, il reste toujours la même. Itabakia paka ile mpango moya moya. Il ne peut pas la changer. Hauwezi kuibadilisha. Parce qu'il est infini. Kwa sababu yana na mwisho. Il est parfait. Si en cette personne, kama mwayu mutu, dans une situation donnée, wakati fulani, il avait invoqué, alikuwa na mambo fulani, et agit de cette manière, na Mungu akatenda à la personne suivante, il gira de la même manière. Kwa mutu mwingine unatakuwa, si la personne se retrouve dans cette même condition là, kama ule mutu anajikuta mwile kanuni moya moya. Ça c'est lui qui nous parle. Il dit, or vous et moi, sema japo, wewe na mie, nous pouvons dire une certaine chose, tunaweza kusema kitu fulani, et l'année suivante il nous faut être, nous faut peut-être changer cela. Na mwaka kesho, c'est vrai. Si nous prenons des hommes de science aujourd'hui, dans des siècles passés, ils ont fait des déclarations, mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, ils trouvent que ça ne devait pas être comme par le passé. Mais Dieu n'est pas comme ça. Sa parole, quand il l'a prononcée, reste valable. Parce qu'il connaît la fin de l'économie. Il ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et demain changer. Non. C'est pourquoi Dieu ne parle pas pour parler. Dans des maisons de dons, aujourd'hui Dieu parle. Demain il parle. Quand il lui dit quelque chose, c'est conçu. Et c'est définitif. Et ça reste comme ça. C'est là qu'il veut que nous connaissions Dieu comme ça. Il nous enseigne Dieu.
Nous ne connaissons pas toutes choses. Non, il dit, vous Asso. Et moi, nous pouvons dire une certaine chose. Ce qui me reste 15 minutes. Vous et moi, nous pouvons dire une certaine chose. Et l'année suivante, il nous faut peut-être changer ça. Est-ce que vous me suivez très bien? Ceux qui me suivent, levez la main. Merci. Je continue. Et faire quelque chose d'autre parce que nous sommes limités. Nous ne connaissons pas toutes choses. Voyez? Mais non. Lui est parfait. Et sa première décision, il dit sa deuxième décision devra être comme la première. Sinon, s'il prend une autre décision, c'est qu'alors il n'avait pas agi correctement quand il avait pris la première décision. Alors cela les rend limités. Ce sont des choses, vous voyez, moi quand j'ai médité ça, il y a une différence entre lire et méditer. Quand nous lisons les messages, je reçois une instruction qui doit me corriger pour ne plus voir Dieu de la manière que je le concevais. C'est ce que je veux que vous saisissez aujourd'hui. C'est pourquoi je ne fais que lui lire les prophètes, pour que nous connaissions comment lui qui traite avec Dieu ce qu'il nous enseigne de Dieu. Paragraphe 6. Il dit ainsi, vous voyez, nous devons rendre Dieu vraiment immuable. Chaque âme qui vient à Dieu pour chercher le salut ou la guérison doit venir sur ses bases. Que Dieu est immuable. Moi je peux changer. Mais quand Dieu a dit quelque chose, sa parole reste immuable parce qu'il est infini. Quand on le considère comme ça, c'est ce qui est bien. Il doit venir en croyant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant il avance. Il dit, Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous lisons ça seulement comme ça. Mais dans ce message-ci, il faut maintenant attirer notre attention afin de considérer des paroles comme ça. Jésus était Dieu lui-même fait chair. Il n'a pas parlé comme un homme peut parler. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il dit, n'a-t-il pas dit demander au Père ce que vous voulez? Il dit, eh bien, c'est une vérité infaillible. Maintenant, toi et moi, nous dirons, j'ai toujours demandé, mais je ne reçois toujours pas. Mais suivez-le, il nous instruit ici. Il dit, et personne n'a jamais demandé à Dieu quoi que ce soit que Dieu ne lui ait donné s'il s'approche d'un cœur sincère. Maintenant, c'est ce qui nous affaiblit quelquefois. Vous affaiblit les gens. Mais quel sincère, comment ça sera ce que... Mais j'ai toujours demandé. Et c'est pourquoi qu'il faut nous venir seulement à l'église pour chanter. Ah bon, ça c'est le pasteur qui m'a dit que je vous donne tout ce que j'ai ici. Merci. Accent. Mais ça ne sera pas long, je n'ai que 4 pages. Ne vous fatiguez pas quand je lis les prophètes. Vous l'entendez vous-même. Des commentaires que je fais, c'est pour que vous soyez captifs. Et personne n'a jamais demandé à Dieu quoi que ce soit que Dieu ne lui ait donné s'il s'approche d'un cœur sincère. Maintenant, il avance, il dit, eh bien, ce qu'il en est, c'est que des fois Dieu donne cela de façon dont on ne s'y attend pas.
Mungu analetaka bile tuko na lomba mwile na muna shia tongoje yake. Vous avez demandé. Una lomba kitu. Vous vous représentez comment il va vous répondre. We ugo na wazia na una chuwazia na muna kani ata kupata kipata. Mais il nous enseigne. Lakini anatufundisha. Il est tenté de nous aider. Ego na tusaidie. Il a mani de vous nous approcher de Dieu. Muna mune tunapasho karibia Mungu. Et bien des fois ce qu'il en est. Mara mingi ilikuwa hako. C'est que des fois Dieu donne ce que nous avons donné cela de façon dont on ne s'attend pas. Mungu anatupatiaka ayo mwile na muna shia tongoje yake. C'est pourquoi écoutez son sujet. Le Dieu immuable, Mungu ashio badirika, agissant d'une manière inattendue. Eko na tenda mwile na muna tongoje. Vous ne vous attendez pas, mais c'est comme ça qu'il agit. Vous avez demandé, vous attendez ça d'une autre manière. Et lui répond d'une autre manière. C'est pourquoi il a trouvé le temps pour nous instruire. Pour que nous connaissions Dieu. On va dire que c'est une petite exhortation. Très simple mais très importante. Il dit, Dieu ne peut aucunement vous dire quelque chose et mentir à ce sujet et rester Dieu. Il ne le peut pas. Il doit tenir sa parole pour toujours. Il dit, c'est la vérité. Frère Branham n'était pas un exhortateur simple. Mais il disait des choses vécues. Quand il nous dit ça, parce qu'il connaissait Dieu. Et vous savez, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Donc les problèmes qu'ont les gens, écoutez. Jésus paragraphe 8. Donc les problèmes qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Vous avez demandé, vous ne savez pas comment Dieu va intervenir. C'est là que se trouvent les problèmes. Maintenant il nous enseigne. Donc les problèmes qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Bien des fois nous voulons faire de Dieu une idole. Qu'est-ce qu'il entend par là? Voyez des gens qui font des fétiches ou bien des gens qui sont dans des domaines mystiques. Quand ils font le... quand ils invoquent leurs idoles, là, cette idole va leur répondre de la manière qu'il... Il a demandé l'argent, on lui donne l'argent. Il demande 10 000, on lui donne 10 000. Utonele sanamu anamupatia kile yeye anataka kama analomba franga banampa franga akalomba 10,000 banampa paka 10,000. Il dit bien des fois nous voulons faire de Dieu une idole. Sema mara mingi tunatafuta tufanye Mungu awe sanamu. De cette manière là. Mwile na muna hiyo. Je demande ça. Mungu mimi nakulomba hiyo. Il doit me donner ça. Unapaswa unipe paka hiyo. Je demande ceci. Nalomba hiyo. Unipe paka hiyo. Mais quand comme je vais vous lire ici. Ici tamisomea. Il dit que mais Dieu. Anasema lakini Mungu. Nous connaissons. Mwenye kutujua tu mzuri. Il donne de la manière que lui trouve le mieux. Yara toi qui as demandé, tu veux ça, mais lui sait bien que il ne doit pas te donner de cette manière parce que tu arriveras à telle chose. Il va te le donner la manière que lui trouve le mieux. Et quand cela vient, nous négligeons ça parce que ce n'est pas venu comme moi je l'ai pensé. C'est là faire de Dieu une idole. Il dit bien des fois nous voulons faire de Dieu une idole. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et alors il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Sinon nous dirons qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a jamais répondu. Kama ashifanye vile tutasema Mungu ashajibu yako. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Et nous affaiblissons notre témoignage quand nous ne le prenons pas au mot. Il dit, Dieu répond toujours. Anasema Mungu anajibiaka kila mara kila siku. Mungu anajibiaka kila siku. Mais seulement nous voulons que nous l'attendons de la manière que nous nous attendons. Lakini si unongoja atujibie muna muna ile tushi. Je peux vous donner un exemple simple. Tamipatia mfano mwepesi. Tu demandes à Dieu 1000 dollars. Unalomba kwa Mungu 1000 dollars. Toi tu veux cash. Wewe unapenda kukupatia mara moja. Mais Dieu ya dola. Lakini Mungu yale va te répondre à sa manière. Atakujibia muna muna yake.
Moi, j'ai déjà vécu une chose comme ça. Tu t'attends à $1,000. Tu sors. On a toka. Un frère te donne $100. C'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. Vous fait ça. On a deux jours après, tu fais un petit travail, tu as $200. On a fait un petit travail, tu as $200. Après un temps, et après, ça s'arrête. Kisha inashimam. Si vous revenez calculer, kama karudia tu wasema wahesabi. Les $1,000 on te l'a donné. Les 1,000 dollars ile barisha kupatia. Mais toi tu t'attendais à ta manière. Lakini wewe ulikuwa unangojea hiyo mna mna yako. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, wakati unalomba Mungu kitu fulani. Soyez simple. Wewe sirveye. Unyenyekevu. Il a ses voies qu'il va utiliser pour te répondre. Eko na manamuna yake manjia yake ile atatumia tu akukujibia. C'est comme ça que nous ratons Dieu. Il dit Dieu répond toujours. Mais c'est nous qui nous représentons les choses à notre manière. William nous enseigne Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par vous montrer que regardez à qui nous avons affaire. Un homme qui toute sa vie passait dans une autre dimension. C'est qu'il traitait souvent avec Dieu. Mulunda wa Nzambi. L'ami de Dieu. Complice de Dieu. Rafiki wa Mungu. Vous voyez? Je continue avec lui. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Dieu répond toujours. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe on lui ouvrira. Ce sont des paroles que Dieu immuables. C'est que c'est moi qui suis en erreur. La parole de Dieu a raison. Maintenant il dit, eh bien, la seule manière dont j'ai toujours... Il montre comment lui demande, comment il reçoit de Dieu. Eh bien, la seule manière dont j'ai toujours obtenu cela, donc quelque chose que j'ai demandé à Dieu, dont je peux recevoir quelque chose de Dieu, c'est en le prenant au mot et en croyant la chose telle qu'il l'envoie. Merci Seigneur. Je t'ai demandé ceci. Ceci vient de cette manière. Tu connais plus que moi. Je te remercie de ce que tu m'as donné. Quand tu vas comme ça, tu commences à le connaître. Il va t'amener dans des grandes choses. Et c'est dit que ça, ce n'est pas ce que moi j'ai demandé. C'est que Dieu même ne me répond pas. J'ai demandé, mon prière là. Non. Il dit, or, si nous prenons cela tel que nous l'imaginons, détenu par la France, nous avons pris Dieu pour une idole. Quand nous voulons que ce soit comme nous demandons. Il y a des moments il donne comme ça. Il y a des moments il va agir à sa manière. Il doit répondre selon nos conceptions. Sinon, eh bien, ça ne vaut rien. Il ne nous a pas répondu. Dieu répond de plusieurs façons. Il répond d'une façon toute particulière. À des moments particuliers. Et tout est particulier. Il a pris l'exemple de Moïse. Il dit, remarquez Moïse. Quand il était jeune, il a senti qu'il avait un appel vers ce peuple. Il ne supportait pas la manière que les Égyptiens traitaient les enfants d'Israël. Il s'attendait à Dieu que Dieu pourvoira d'une autre manière pour qu'il libère ce peuple-là. Ses parents priaient. Ses parents disaient prier. Lui aussi voulait la délivrance. Et c'est pour cela qu'il a attaqué à tuer un Égyptien. Mais quand les rumeurs ont commencé à circuler, il a tué un Égyptien. Il a fui dans le désert. Mais remarquez,
Il sentait en lui qu'il était appelé pour libérer ce peuple. Et quand ce forfait est arrivé, il a pensé que ce n'était plus nécessaire. Il est allé dans le désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'âge de 80 ans ici? Mettez-vous un peu debout. Regardez cet âge ici. Est-ce que tu peux sauter? Et tu n'as pas de luka? Essaye un peu de sauter. Puis on va le luka. Ça va. Toi, sauter. Oui, je m'en luka. Sauter. Voyez. Non. C'est différent de lui. Il n'a pas de luka. Je voulais montrer quelque chose. Maintenant, remarquez. Ça, c'est Angalien. Moïse. Moussa. Quand il est encore jeune comme ça, sachant un peu bouger, Dieu n'a rien fait. C'est pourquoi Frère Branham dit, écoutez, Dieu répond de plusieurs façons. D'une façon toute particulière. À des moments particuliers. Et tout est particulier. Il fallait que Moïse soit amorti. Il a dit Moussa a regagné. À cet âge ici, que Moïse Moussa devait aller pour aller délivrer les enfants d'Israël avec un petit bâton. Tout le temps qu'il était jeune, où il pensait faire quelque chose, Dieu n'est pas intervenu. C'est à un âge avancé où il ne s'attendait plus. C'est là que Dieu intervient. Et c'est là qu'il dit, nous voulons prendre paragraphe 16. Nous voulons prendre par exemple Moïse. Moïse avait 80 ans. Vous pensez peut-être qu'il était presque trop vieux pour que Dieu traite avec lui. Il était un vieil homme. Il ne s'attendait pas. Vit son âge à ce que Dieu traite avec lui. Il a montré comment Dieu l'a appelé. Il dit, il a rencontré Moïse d'une façon inhabituelle. De la façon qu'il avait choisi de le rencontrer. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. De la façon qu'il juge être la meilleure. Et sa façon est toujours correcte. Sa façon est toujours correcte. C'est pourquoi il dit, je continue avec les prophètes. C'est là qu'il dit, donc vous voyez, son message de ce jour-là, c'est montrer aux gens comment approcher Dieu. C'est pourquoi je lisais ce passage-là. Nous sommes jaloux des disputes. Nous voulons recevoir quelque chose. Nous demandons de la manière que nous voulons là. Quand ça ne vient pas comme ça, Dieu ne m'a pas répondu. Dieu peut répondre à sa manière. D'une autre façon. Ça, nous ne remercions pas. Parce que nous voulons que ça soit à notre manière. C'est ça, faire de Dieu une idole. Si nous apprenons à nous humilier, quand nous demandons quelque chose, ne pas me représenter comment cela me vient par mais croyant que Dieu répondra et en surveillant, tu verras beaucoup comment Dieu traite avec toi. Maintenant, dans ce message ici, je dis d'abord le Dieu humilié, mais maintenant ici c'est le Dieu humilié agissant d'une manière inattendue, le sujet que j'ai pris. Ça s'est prêché le 20 janvier 62. 54 à 56. Il dit, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Il dit, oh, combien devrions-nous nous reposer sur cette promesse divine du Fils de Dieu? Il a dit aussi, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Mais des fois, lorsque Dieu accomplit quelque chose et fait quelque chose que nous avons demandé,
cela vient de façon inattendue. Et des fois à un endroit inattendu. Et à un moment inattendu. Vous avez fait des prières. Des réunions de prières. Qui a demandé, demandé. Peut-être toute l'année tu demandais à même prière. Tu es fatigué. Seigneur, que mes affaires avancent. Que mes affaires avancent. Ça s'empire. Tu t'es découragé. Parce que à la vérité, si vous remarquez bien dans votre vie, les progrès que vous avez connus, brusquement, ce sont des réponses à des prières que tu faisais. Tu pensais qu'il devait te répondre en ce temps-là. Tu as prié. Je crois que ça va avancer. Tu fais ça pour. Tu fais ça pour. On a fait un amour, on a mis un en sorcelle ou comment? Mais j'ai vraiment prié. Dieu sait quand il va intervenir. Mungu anajua ni wakati kadi atakujibia. Une année après, peut-être. Moi, six mois après. Tu n'entends pas une petite chose. On a fait tout cas ça réussit. Tu fais ça, ça réussit. On a fait un ici, 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 on a fait. Tu ne sais pas que c'est Dieu entendait quand tu parlais. Il a son temps où il va intervenir. Toi, restez seulement dans la foi. Parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Il n'a pas fixé le temps. Restez dans l'assurance. Quand je parle ici, je sens en moi que je suis en train de répondre à certaines questions. Certaines personnes sont en train de trouver des réponses. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis en moi cette exhortation. Si Dieu j'ai trouvé ça simple. Mais pour quelques-unes parmi vous, Dieu est en train de lui parler. Dieu est en train de lui répondre. Mais il sent dans son cœur. Il se réjouit. Mais je pensais que Dieu ne me connaît pas. Mais si tu es concerné, comprenez ma soeur, comprenez mon frère, comprenez fille de Dieu. Peut-être que tu commences à te décourager. C'est pourquoi il m'a utilisé ce soir de parler comme ça. Celui qui te parle, celui qui te répond, que ne te représente pas cette chose. Oui, à part que tu fikiri, que tu fasses des choses. Restez attentif. Oui, parce qu'on a entendu. Il a entendu. Oui, on rishikiri. Il a entendu. Anashikia. Il répondra. Atakujibia. Il répondra certainement. Atajibiaka, atajibia, atajibiaka. Restez seulement dans l'expectative. Baki atuku kuko longoje. Peut-être la réponse viendra par derrière. Sanzine djibu itatokea ni nyuma. Tu verras un jour paf. Utona tushikwa paf. À ce moment-là, tu dois te jeter dire que merci. Tu dois wakati utapika magoti ur aksanti Mungu. Tu entendais ma prière. Unashikia maombi yangu. Dieu répond toujours. Mungu anajibiaka kila siku. Mais des fois, lakini mara mingi, lorsque Dieu accomplit quelque chose, wakati Mungu anatenda anatimiza kitu, et fait quelque chose que nous avons demandé, Mungu anatenda kitu fulani kile tulilomba, il dit cela vient de façon inattendue. Ile inafikaka paka munamune ile atukuwazie. Et des fois à un endroit inattendu. Na enye mufashi tena nafika pafashi ile atukuwazie. Tu as prié à Mbujimayi. Uliombea ku Mbujimayi. Tu as souffert là-bas. Uliteswa kule. Uliomba kule na olomba kabisa. Ce n'est pas là-bas qu'il devait te bénir. Aina ku Mbujimayi ndio alipasha ku Mbujimayi. Tu viens à Lubumbashi. Unakuja ku Lubumbashi. La chose change. Paf, mambo inabadilika. Ce n'est pas Lubumbashi qui a aina Lubumbashi tu es prière là. Maombi yako ile. Tes prières là. Ile maombi yako. C'est ça qui fait des effets. Joigne naanza kutleta sasa papa. Ne soyez pas orgueilleux. Kumbe usijivune. Dieu nous aime, Dieu nous a béni. Mais vos genoux ont travaillé. Magoti yako shilitumika. Vos genoux ont travaillé. Magoti yako litumika. C'est les professeurs en Dieu qui nous enseignent. Huyu ni mwalimu mu Mungu. Dieu anatuambia hivi. Professeur en Dieu. Mwalimu mu Mungu. Il dit toute ma vie. Anasema maisha yangu yote. Passé dans une autre dimension. Nalipitisha kwa kiwango kingine. Il était toujours avec Dieu. Nalikuwa paka na Mungu. Parce que entrer dans cette dimension là. Ce sont des visions. Ni maono. C'est que Dieu l'utilisait souvent. Mimi Mungu
C'est pourquoi il connaissait Dieu. Il nous enseigne Dieu. Comment Dieu agit. C'est qu'il faut croire en ça. Cela vient de façon inattendue. Et des fois à un endroit inattendu. Et à un moment inattendu. Mais Dieu répondra à sa façon. Si vous croyez simplement la chose, vous devez croire la chose, l'accepter, ne pas renoncer à cela après. Tenez-vous à cela. Dieu a entendu. Comment tu es venu ce jour-là? Peut-être en jeûne. Comment tu t'es consacré dans ce temps? Toute la nuit. Tu as parlé. Tu as senti que Dieu a entendu. Mais tu sors. C'est le contraire. Ne te décourage pas. Il a entendu. Le temps est en train de venir. Rendez-lui seulement grâce. Chaque soir, merci Seigneur. Tu m'as répondu, j'attends. Merci Seigneur. Tu m'as répondu, j'attends. Parce que j'ai senti dans mon cœur que je t'ai parlé. Si tu crois, tu verras la gloire. Comme mon ami, nous tournons tout au fond à mon. Vous voyez? C'est la chose. Nikitu. Dieu l'a dit. Voilà. Vous devez croire la chose. On n'a pas chaque fois kitu. L'accepter. Okay. Et ne pas renoncer à cela. N'a après. Pas na kuki. Tenez-vous-en à cela. Ouais, cramponnez-vous à cela. Ouais, kamata bani ya kabisa pa. Et dites que c'est ça la chose. Na sema njo kitu kenyewe. Il nous a, il m'enseigne. Il te dit de faire ça. Fais aussi ça. Fanya na wewe hayo. C'est le professeur en Dieu qui nous enseigne. Oui, ni mwalimu Mungu ndio anatufundisha. Cramponnez-vous à cela. C'est ce que tu lui as demandé. Peut-être hier soir tu as veillé ici. Tu as parlé d'un problème qui occupe ton cœur. Peut-être avant-hier tu es venu prier ici. Tu lui as parlé. Tu commences à te décourager. Et voilà que moi, dans mes différents sujets, dans mon ordinateur, je lis ce titre, ça ne tire pas mon cœur. Je lis ce titre, je prends ce titre, je prends ce sujet, j'arrive à ça, je vois mon esprit s'arrêter. Je dis, mais ça c'est une petite exhortation. Je vais penser, mais revenez à ça. J'ai obéi, j'ai pris ça, j'ai pensé que non, il y a une personne ou deux à qui Dieu va répondre. Et je suis venu avec ça. Et je commence à parler. Mais c'est à toi qui les répond. Il est tenté de te répondre. Tu étais découragé. Dieu n'agit pas de la manière que toi tu t'attends. Mais ne prenez pas pour lui connaît tout. Il sait que si tu réponds maintenant, il voit bien qu'après voici ce qui va arriver. C'est comme l'exemple que j'ai toujours donné. Je ne sais pas si j'ai donné cet exemple. Voyez avec ma taille ici. Il y a une poule là-bas. Il y a le cancre là ici. Qui est tenté de partir là-bas. Je sais que pour la poule, le cancre là, ça sera un bon appétit. Alors, je suis en train d'empêcher ce cancre-là. Je le fais comme ça. Le cancre-là m'évite. Il veut toujours aller. Moi, je le protège contre la poule. Je fais comme ça. Il rentre là. Il contourne comme ça. Je le repousse comme ça. Pourquoi cet homme m'empêche? Moi, je vais là-bas. Il part ici. Il s'envole. Il tombe là-bas, la poule. C'est pourquoi Dieu, il nous voit, il sait que là-bas il y a un danger. Toi tu veux aller là-bas, il barre. Il barre. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Il faut que je parte. Pourquoi il met des obstacles? Pourquoi Dieu, mais moi je veux que ça soit comme ça. Lui qui voit, il te répond de la manière qu'il lui voit le meilleur. C'est pourquoi humilions-nous devant lui. Laissez-lui nous conduire. Vous voyez ce qu'il a dit ici? Il dit la manière que moi je reçois de Dieu. Je lui demande,
Et je m'attends à lui. Je présente mes requêtes. Et j'attends la manière qu'il va me répondre. C'est moi que je suis attendant. Je sais qu'il m'a écouté. Il a dit demandez et vous recevrez. Je lui ai demandé. Je crois qu'il va me répondre. Mais à sa manière et à son temps, je crois ça. J'avance. C'est pourquoi il dit vous devez croire la chose. L'accepter. Un, croire la chose. Deux, l'accepter. Trois, ne pas renoncer à cela après. Quatre, tenez-vous à cela. Cinq, cramponnez-vous à cela. Et dites, c'est ça la chose. Dieu l'a dit. C'est la règle, le problème. Si Dieu l'a dit, c'est fini. Peu importe combien de temps. Il est possible que pas une seule molécule ne soit venue à l'existence lorsque Dieu a dit que ceci soit, que la lumière soit. Il est éternel. Quelques instants après, des molécules, des atomes sont venus et la chose est apparue. Vous voyez? C'est pourquoi je tends déjà vers la fin. Hein? C'était une petite exhortation. Dans le Dieu immuable, où je reviens au paragraphe 7, il dit, je déclare publiquement ce soir, que si les gens adoptent l'attitude mentale correcte, envers une quelconque promesse divine que Dieu ait jamais faite, et qui la revendique comme étant la leur, Dieu l'accomplira. Si vous adoptez une attitude correcte envers elle, la promesse, sachant que Dieu l'a dit, la promesse vous appartient. Elle est votre propriété personnelle. À la minute même où vous la recevez de cette façon, c'est là qu'il a insisté. Frère, Dieu répond toujours. Mais d'une manière inattendue. Ne limitez pas Dieu. Quand vous demandez quelque chose, ne définissez pas qu'il doit te répondre de telle manière. Seigneur, je veux voir tel frère. Si tu es Dieu, il me donne $100. C'est toi qui parles. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Demandez-lui. Attendez-vous voir. Il va répondre à sa manière. Inclinons bien nos têtes. Si tu as déjà demandé à Dieu, tu es dans ces problèmes. Tu es concerné. Ta prière d'aujourd'hui, cette préoccupation-là, que tu vas lui présenter, apprenez aujourd'hui. William Branham nous enseigne. Quand tu demandes à Dieu, ne limitez pas. Ne déterminez pas la manière qu'il va te répondre. Attendez-vous simplement à lui. Si tu lui avais déjà demandé et que tu t'es découragé, c'est pourquoi je vous ai lu dans Jacques ici. D'où viennent des luttes? D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu n'est pas une idole. Ce sont les magiciens qui demandent. Il reçoit directement. Vous voyez ce que je vous montre d'un cancre. Tous vont de tel côté. Pourquoi moi ça ne s'ouvre pas? Dieu sait que pour toi, il a orienté les choses d'une autre manière. Ce que tu dois retenir, et que quand tu lui parles, il t'a entendu.
Il t'a écouté. Tu es venu avec sincérité. Tu t'es consacré. Surtout si tu t'es consacré. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. Ça, c'est sa parole immuable. Si tu es venu comme ça, qui lui a parlé, même si rien ne s'est fait, sachez qu'il a entendu. Observez comment la chose vient. Si tu peux lui parler maintenant. Ou toi qui lui avais parlé, rendez-lui grâce. Et Seigneur, je me décourageais déjà. Et tu viens de me parler. Fortifie ma foi maintenant. J'attends, Seigneur, ma réponse. J'attends ma réponse. Continuez à attendre. Il dira que ce jour-là, quand le passé Bible est passé, c'est Dieu qui m'a parlé. Et tu lui rendras grâce. C'est ça la petite exhortation. Si chacun peut parler à Dieu, parle un peu à Dieu pendant. Présentez-lui ta requête. Mais ne déterminez pas la manière que Dieu va te répondre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. C'est lui qui connaissait Dieu. C'était une bien simple petite exhortation pour ce soir.
Jésus-Christ est mon sauveur. Je suis passé de la mort à la vie. C'est cette vie qui ne finira jamais. Oh Jésus-Christ. Jésus, nous venons de parler à tes enfants, Seigneur, sur cette petite et simple exhortation, mais qui devait aussi aller tout droit au cœur de chacun, Seigneur. S'il y avait de tes enfants qui se décourageaient, Père, que cette petite exhortation puisse les renforcer, Seigneur. Amen. Tu nous as parlé comme notre Père. Tu as vu quelquefois comment on voulait se décourager. Mais tu viens nous récupérer pour nous relancer, Seigneur. Nous te disons merci pour cela, Père. Tu réponds toujours aux prières, Père, parce que tu es Dieu. Ton serviteur, le prophète, vient de nous enseigner que toi, tu es immuable. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le Dieu infini. Tu connais la vie de chacun. Ce qui va m'arriver demain et après-demain. Tu connais, Seigneur, ce que je te demande. Ce que chacun t'a demandé. Tu sais quand et comment tu vas lui répondre. Tu réponds toujours aux prières, Père. Donne-nous la grâce de savoir t'attendre à toi, Père. Seigneur Jésus, la Bible dit, ceux qui se confient en les renouvellent leur force. Fortifie encore tes enfants. Ajoutez la foi en chacun, qu'il continue à attendre positivement. C'est toi qui connais toutes choses, Père. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu connais la vie de chacun. Ce qui peut m'arriver demain, ce qui peut arriver à chacun demain, tu connais cela. Seigneur, donne-nous la confiance en toi.
Seigneur, il y a de ceux-là qui viennent te parler ce soir. Je te prie, oh Dieu, fortifie-le. Si nous venions par le passé, d'une manière déterminée dans nos pensées, mais tu viens de nous corriger ce soir. Nous te prions, oh Dieu, de pouvoir nous assister. Accorde à chacun selon ce qu'il t'a demandé, Père. Nous demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissant, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.